Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de démarrer une petite série de vidéos simples et rapides. En gros pour répondre aux questions les plus simples, les plus élémentaires qui reviennent malgré tout très fréquemment pour les personnes qui débutent ou en tout cas qui veulent débuter la taromancie ou la cartomancie ou l'oraclomancie ou la bidulomancie, mettez le mot que vous voulez derrière. Je précise taromancie parce que je ne parle pas de tarologie, c'est-à-dire que je ne parle pas sur l'idée de l'étude du tarot, je parle plutôt vraiment de cartomancie ou de taromancie pour l'idée de véritablement faire de la divination, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent évidemment et qui sont des questions extrêmement pertinentes. Mais auxquels on peine parfois à trouver quelques réponses dans les ouvrages, ou alors voilà, on a des réponses un peu partagées, où on ne trouve pas forcément de raison pour lesquelles on donne ces éléments-là. Donc, du coup, j'avais envie voilà, de faire une petite série de vidéos, donc vous allez retrouver plusieurs vidéos à la suite les unes des autres, dans lesquelles je vais tâcher de donner quelques éléments de réponse en tout cas. Et la première question à laquelle j'aurais voulu répondre, c'était comment choisir son support? Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup et qui, très fréquemment, est agrémentée d'une croyance persistante qu'un jeu vaut mieux qu'un autre. Alors non, en réalité, non, il n'existe absolument pas un jeu qui soit plus valable qu'un autre. C'est juste que tous les jeux sont différents et qu'à un moment, on va prendre un jeu et on va se sentir plus ou moins attiré par le jeu que l'on voit, parce que les illustrations nous parlent, parce que la structure nous parle, et que du coup, bah, peut-être qu'un petit point, un petit bilan sur le sujet aurait pu être bah, un peu intéressant. Donc voilà, en faisant une petite mise au point. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais vous avez vu mon beau tapis. Ah, qu'il est chouette, je suis content de l'avoir. Si vous le voulez, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo pour voir où je me suis dégoté. Je vous le recommande, il est merveilleux, il est super pour tirer les cartes, il est super content en plus quand je mets les cartes dessus, donc tout le monde est ravi. Alors, attaquons tout de suite. De manière très, voilà, très courte, je vais faire vraiment des petites capsules très, très rapides. Comment choisir son jeu? Eh ben, en réalité, il n'y a pas de réponse autre que il faut trouver un jeu qui nous parle, et pour ça, bah, déjà peut-être faire un petit point sur les différentes catégories de jeux qu'on va trouver. Alors, on a beaucoup de personnes qui font de la cartomancie avec le jeu classique, vous savez, avec les cœurs, pique, trèfle, etc., pour faire des tirages en chien-de-pique, par exemple. Pourquoi pas, c'est un jeu que moi j'utilise très très peu puisqu'il est relativement sibyllin, c'est pas le plus évident à comprendre, donc je mets complètement ce type de jeu de côté. Après, nous avons évidemment le côté tarot. On a l'archétype du tarot qui est assez classique, que tout le monde connaît. Voilà, les cartes du tarot, on n'a pas besoin de les présenter. Je crois que j'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet pour que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Le tarot a des caractéristiques assez précises qui sont que nous avons toujours une structure extrêmement similaire. On retrouve toujours les mêmes personnages, c'est-à-dire on va retrouver le diable, on va retrouver la justice, on va retrouver l'étoile, on va retrouver le mât. Donc on va retrouver toujours des personnages qui sont extrêmement ressemblants. Sauf que ce qui va faire la force du tarot va aussi faire sa faiblesse. Le tarot, il a cet avantage d'avoir des illustrations extraordinairement naïves et simplettes. On voit des personnages, on voit des scènes, donc c'est facile de nous projeter dedans. Mais comme les personnages sont assez peu précis, le dessin est très vague. En réalité, on peut voir beaucoup de choses, on peut voir tout et n'importe quoi dedans. Par exemple, là, c'est quoi? C'est un chien, c'est un chat, c'est une civette, c'est un lapin, c'est un loup, c'est... On ne sait pas. On manque de précision. Voilà, lui, est-ce que c'est un squelette? Est-ce que c'est quelqu'un de très maigre? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est un mort? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des garçons ou des filles ou les deux? On ne sait pas. Donc voilà, on a des choses assez larges en réalité. Dans notre interprétation, est-ce que c'est une bouteille de vin, est-ce que c'est une lanterne? Voilà, ça nous permet vraiment de nous projeter et de donner une multiplicité à l'interprétation qu'on ne va pas retrouver dans d'autres jeux. Donc ça, c'est un élément qui va en faire une force. Le problème, c'est que cette force, ça va en faire également une difficulté. En cela que quand vous apprenez un jeu, quand vous apprenez le tarot ou un autre, hein, n'importe, moi je parle du tarot, mais ça pourrait très bien être autre chose, la difficulté, c'est que parfois on aura du mal à donner véritablement un sens aux cartes puisqu'elles peuvent vouloir dire plein de choses en même temps. Donc ça peut faire la force de ce jeu, mais ça peut au début vous déboussoler. Donc le tarot de Marseille, si vous n'avez pas de prof avec vous pour vous orienter, au début ça peut être un peu compliqué. Après, n'oublions pas que le tarot de Marseille est un petit peu plus complexe que ça, puisque là, nous avons évidemment nous avons les arcanes majeures qui sont au nombre de 22. Nous avons 22 arcanes majeures, mais nous avons également d'autres cartes. Nous avons, hop, tac,
Nous avons les personnages de cour qui sont les valets, reines, rois et cavaliers, donc qui donnent encore d'autres éléments supplémentaires, mais nous avons également des cartes qui sont là, cette fois-ci encore plus abstraites, qui sont les arcanes numériques auxquelles on donne des interprétations, mais d'un enseignant à l'autre, d'un praticien à l'autre, on passe du tout au n'importe quoi, et on retrouve plus souvent d'ailleurs de n'importe quoi que de tout. Et là, comme il n'y a pas de personnage, on ne peut pas se projeter dedans, donc c'est encore plus difficile de lui donner du sens. Donc moi je vous invite à, si vraiment vraiment vous débutez, à pour l'instant ne pas trop vous prendre la tête avec ces cartes-là, si vous décidez d'opter pour un tarot dit de Marseille. Parce qu'après nous avons d'autres tarots qui eux ne sont pas de Marseille. Alors, on va y venir. Hop, tac, on va mettre ça de côté. Dans les tarots qui ne sont pas de Marseille, on retrouve par exemple le canon anglo-saxon du Rider-Waite, où là on retrouve... Voilà, on retrouve les arcanes majeures qui restent globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes personnages. Voilà, par exemple, on a l'amoureux, on a le chariot, on a la justice, on a l'ermite, on a la roue de fortune. Alors, on retrouve la même chose à un détail près, mais c'est un détail intéressant. C'est au niveau de la numérotation, nous avons la justice et la force dans les jeux anglo-saxons qui ont été inversés, ce que je trouve évidemment depuis que je fais des vidéos et je n'arrête pas de le hurler, c'est une aberration complète, évidemment, mais... Voilà, si vous adoptez le canon anglo-saxon, vous vous ferez à ce système et il n'y aura pas de problème et ça fonctionnera très bien. Après, là où les choses changent, c'est au niveau des mineurs que nous avons vu juste avant, puisque si nous retrouvons les arcanes majeures qui globalement gardent à peu près le même archétype à 2-3 détails près, par exemple ici avec le jugement qu'on retrouve dans les deux versions différentes, par contre au niveau des mineurs, les choses changent énormément, puisque dans le tarot français traditionnel, les mineurs ne sont pas illustrés. Là, ici, les mineurs vont être illustrés dans les tarots anglo-saxons. Et nous avons des scènes qui sont d'un coup beaucoup plus claires et qui laissent moins de doutes quant à l'interprétation qu'on peut donner. Si dans les mineurs français, on ne trouve absolument aucun détail pour nous permettre réellement de donner une interprétation claire et précise, là, dans les tarots anglo-saxons, l'interprétation est assez claire. On a peu d'équivoques. Donc, un tarot anglo-saxon, si vous souhaitez utiliser l'ensemble des cartes, ça peut être un moyen sympa de donner une lecture sans trop de difficultés. Après, nous avons des tarots anglo-saxons qui sont un peu artistiques également, qui ont l'avantage d'être vraiment jolis, vraiment sympas, comme par exemple celui-ci, qui est le tarot Legacy de Ciro Marchetti, où on retrouve pareil encore une fois les archétypes assez classiques. Mais voilà, c'est beaucoup plus artistique. Donc on sort un peu de la représentation traditionnelle pour tomber sur quelque chose d'un peu plus léché. Voilà, ce qui, à mon sens, enlève une bonne partie des interprétations qu'on pourrait donner au jeu. Puisqu'encore une fois, ce que je trouve qui fait la richesse du tarot, c'est évidemment quand les illustrations laissent une ambiguïté. Là, on a peu d'ambiguïté. Par contre, effectivement, le travail au niveau des mineurs est extrêmement intéressant, extrêmement travaillé et bien poussé. Et donc là, c'est vrai que si vous avez du mal d'habitude à donner des interprétations aux mineurs dans les jeux français, ça, c'est top. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, vous avez des autres tarots qui sont, en quelque sorte, moi, les jeux que je vous recommande et décommande. Vous avez les jeux qui sont les jeux à thème. C'est-à-dire qu'on a pris le canon du tarot et on lui a mélangé une thématique. Là, par exemple, c'est ici, c'est le tarot des arbres. Alors, vous allez retrouver toutes les cartes avec exactement la même signification, sauf que ce ne sont plus des personnages, ce sont des arbres. Alors, c'est sympa quand la thématique abordée vous plaît. Par exemple, vous pouvez retrouver le tarot des chats. Vous pouvez retrouver le tarot des Égyptiens, vous pouvez retrouver le tarot des Incas, des Mayas, d'Harry Potter, de ce que vous voulez, on s'en fout. C'est intéressant quand la thématique plaît. Le problème, c'est quand la thématique est archétypique, ou en tout cas artefactée, c'est-à-dire avec des objets, là comme ici des arbres, nous n'avons pas de personnage et il est difficile du coup de se projeter réellement dans les cartes, puisque ce qui nous permet de faire une interprétation facile, c'est justement lorsqu'on peut se projeter dans les cartes et lorsqu'on a des personnages. Donc ça fonctionne très bien. Là du coup, ça peut être intéressant, mais ça peut être moins évident de se projeter dans la carte. Et après, il y a un autre type de tarot, alors là que je vous décommande absolument si vous débutez, sinon vous allez être dégoûté à vie du tarot. Ce sont les tarots purement initiatiques, où là on va dans les hautes sphères de l'hermétisme avec de l'alchimie, de l'astrologie, voilà, des cartes qui sont vraiment vraiment très compliquées à interpréter, qui sont presque, on va dire,
C'est presque un pari artistique de pouvoir créer un jeu sous cette forme-là, et c'est encore un pari encore plus osé de pouvoir les interpréter. Voilà, ça par exemple, c'est le tarot de Thoth, qui est un jeu que moi je n'ai jamais tiré, que j'ai eu très envie d'avoir pendant très longtemps, et que je ne peux absolument pas utiliser. Donc là, je ne vais pas vous le recommander, je vous le recommande si vous êtes déjà habitué et que vous connaissez un peu l'hermétisme qui est mis en avant, la tradition hermétique qui est mise en avant dans le jeu. Sinon, voilà, oubliez, mettez ça de côté. Après, il y a la catégorie des oracles. Alors, les oracles, on en a de plein de sortes, on en a de plein de formes, et on va avoir des familles également d'oracles. Un oracle, par exemple, par lequel je peux commencer, qui représente typiquement le genre de jeu qui, selon moi, ne sert à rien, mais je suis très dur avec ce genre de jeu, c'est le jeu purement artistique où un auteur a appelé un graphiste et se sont fait plaisir ensemble, ou juste un graphiste qui n'est absolument pas tarologue ni cartomancien et qui avait juste envie de se faire plaisir en créant un jeu, voilà, avec juste de belles images. Mais qui n'ont fondamentalement et d'un point de vue interprétation, zéro intérêt, vraiment aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il est très beau, c'est très sympa à avoir, mais vraiment, ça ne sert à rien. Ça sera intéressant, par exemple, pour certains jeux qui sont à visée mythologique. Je vois, par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup créé les jeux, les dieux de la mythologie, puis les déesses de la mythologie, puis les divinités égyptiennes, puis les divinités hindoues, puis... En règle générale, les dessins ne permettent pas de voir véritablement des vraies scènes et des vrais personnages. Ils n'ont donc, à visée divinatoire, quasiment aucun intérêt. Par contre, c'est joli, c'est chouette à voir et à tirer, par exemple, pour des conseils, ça peut être sympa parce qu'on peut trouver des énergies particulières qui peuvent être plus ou moins agréables. Après, vous avez d'autres types d'oracles qui sont, par exemple, comme moi je l'ai fait, l'oracle des origines, qui là n'est pas du tout fait. Pour se projeter dedans, il est complètement hermétique, il est complètement crypté. Ça, c'est pratique pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à vouloir donner une interprétation, on va dire, à chercher, à travailler sur l'intuition. On peut travailler avec l'intuition si on a envie, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous avez le livret dans lequel toutes les interprétations sont données, il suffit juste de se référer et tous les détails, toutes les informations sont là, donc c'est assez fastoche. Par contre, quand on débute, effectivement, c'est bien d'avoir des repères et ça sera peut-être pas, si c'est votre premier jeu, ça sera peut-être pas le plus simple. Ou en tout cas, ce sera peut-être pas le plus simple si on se lance seul, sans quelqu'un pour nous guider. Après, on a d'autres oracles qui sont parmi les plus fréquentés, les plus utilisés. Par exemple, lui, l'oracle de la triade, où là, les cartes sont, voilà, sont assez évidentes. Équité, on va avoir une notion d'équilibre. La foudre, voilà, on voit que c'est un drame. Le voyage, bon, après, on a d'autres cartes qui sont un petit peu plus obscures, comme la clé, où là, il faut se référer effectivement au livret. L'erreur, ça parle. La naissance, ça parle. La pénitence, ça parle. Donc voilà, ce sont des cartes qui sont un petit peu plus simples, un petit peu plus basiques. Donc, si vous débutez, ça peut être pas mal. Après, l'inconvénient de ce genre de jeu, c'est que justement, on n'a pas comme le Tarot de Marseille un panel d'interprétation très large. C'est assez carré, c'est assez droit, il faut faire ce que le jeu dit et puis point barre. Vous avez d'autres jeux, comme par exemple, hop, l'Oracle G, qui est un oracle extrêmement connu, extrêmement utilisé, qui est un peu à mi-chemin voilà, entre l'oracle de la triade et puis la simplicité d'interprétation qu'on peut trouver dans d'autres jeux, et en même temps la multiplicité que l'on peut retrouver dans le Tarot de Marseille. Par exemple, là vous avez des cœurs avec des oiseaux, donc ça peut dire qu'on volait, mais on peut le voir en négatif, en disant oui, mais les cœurs partent à tire-d'aile, donc peut-être que l'amour s'en va. Donc on pourrait aussi s'amuser avec l'idée d'avoir, voilà, par exemple, vous avez une araignée, l'araignée ça plaît pas à grand monde, mais l'araignée c'est aussi le fait de tisser des choses, donc de faire un travail précis et minutieux, d'être fin, d'être agile de ses doigts. Donc on peut retrouver aussi une multiplicité dans ce jeu qui peut être intéressant pour les personnes qui débutent. On manquera peut-être d'un peu de cadre, mais si on s'en tient aux livrets, aux ouvrages et autres, ça pourrait être un bon ouvrage pour débuter, pour démarrer, ça peut être un bon oracle, donc pourquoi pas. Dans le même ordre d'idées et très très proche de ce style graphique, on a évidemment l'oracle Béline, qui est une référence qu'on ne présente plus, qui a cet avantage également de travailler avec les planètes. Par exemple, vous avez Mars, Vénus, Saturne, Jupiter, la Lune, le Soleil, Mercure. Et donc évidemment, comme les planètes ont également un sens, une signification, on pourra utiliser le sens
donnée aux planètes pour préciser le sens des cartes. Et puis encore une fois, c'est une signification aussi assez claire. Voilà, quand on parle des présents, quand on parle de l'union, de la méchanceté, de la sagesse, du bonheur, de la fatalité, le sens est assez précis. Donc je crois que effectivement, on n'a pas trop besoin de chercher midi à 14h pour comprendre le sens de ces cartes. On a des sens assez évidents. Voilà, la réussite, le départ, la perte ou le vol. Alors moi, je me souviens, un jour, j'avais tiré cette carte en carte du jour et je me suis retrouvé à me balader dans Paris en trottinette parce que je bouge beaucoup en trottinette et je m'étais payé la roue dans une plaque d'égout et j'ai fait en fait un vol plané tête en avant. Donc la carte ici nous parle de retard. Je n'ai pas eu un retard, mais j'ai bien eu effectivement la roue bloquée dans la plaque d'égout. Donc c'est toujours intéressant de regarder aussi la graphie des cartes extrinsèquement au nom et à l'interprétation qu'on lui a donnée. Donc voilà, ça c'est un jeu qui peut être assez pas mal, assez bien. En plus, on trouve beaucoup d'ouvrages sur le Béline. Donc si vous démarrez, ça peut être assez sympatoche. Après, nous avons une autre catégorie d'oracles et je terminerai là-dessus parce que c'est pareil. Là, on a une communauté absolument énorme de praticiens et d'écrivains sur le sujet. Ce sont les Lenormand qui font partie de mes jeux préférés. J'aime beaucoup les Lenormand. Alors, on a des Lenormand assez classiques, comme par exemple le Esmeralda, où on retrouve voilà, le livre, les cigognes, l'encre, les oiseaux. Et là, on fonctionne vraiment purement par symbolisme, on attribue à un objet une certaine signification. Par exemple, le livre, ça peut être les écrits, mais ça va être aussi le secret, ça va être la connaissance, ça va être les études. Les cigognes, ça va être le déplacement, la nouveauté, la migration, mais aussi, par exemple, la grossesse. L'encre, ça va être tout ce qui est fixe, tout ce qui est immuable, mais aussi les attachements, les liens, les choses un peu lourdes. Ça peut être le travail ou les choses que l'on se traîne comme un boulet au pied. Les oiseaux, ça va nous parler de la communication, des échanges, des bavardages, des calomnies. Donc voilà, on a différentes significations pour chaque carte et quand on les mélange, quand on les met ensemble, ça va nous donner un nouveau sens. Donc c'est pour ça que le Lenormand est un jeu, par exemple, qui est intéressant à travailler lorsqu'on a envie justement de développer un petit peu plus loin et de ne pas se contenter par exemple d'une carte unique, mais qu'on a envie de mélanger les cartes ensemble. Par exemple, une chose très bête, mais la carte des trèfles représente souvent la chance. L'arbre, ce sont les choses souvent lentes ou longues ou durables, pérennes. Donc on va parler d'une chance qui dure. Par exemple, où on va voir, je ne sais pas, alors que je vous retrouve un exemple par exemple sympa, Taggazou, par exemple l'enfant qui va représenter la nouveauté, toutes les choses qui arrivent, toutes les choses qui sont assez fraîches et qui débarquent, et les poissons va représenter, c'est une carte qui va souvent représenter les finances, on a beaucoup un rapport à la finance, à la prospérité, donc on va peut-être parler d'une nouvelle rentrée d'argent par exemple. Donc voilà, c'est en gros vraiment l'idée d'une association entre les cartes ou d'un nouvel ami, parce que le chien va représenter l'amitié, ou alors d'une copine, parce que ça va être le chien, donc l'ami avec la femme, donc un ami féminin. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui va se mélanger, qui va vraiment se mêler, par exemple une nouvelle relation amoureuse, ou alors par exemple un contrat dans une activité publique, par exemple si on veut faire comment dire, un vernissage ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est un jeu qui va vraiment se déployer sous plein de formes, et donc ça c'est une version vraiment classique. Et après on a la version également à thème, c'est-à-dire qu'on retrouve plein de Lenormand avec des thèmes différents. Moi je sais que j'ai un Lenormand version révolution, j'ai là ici un Lenormand qui est basé sur c'est le Once Upon a Time, donc on est basé sur les mythes. Les contes de fées, ce genre de choses. Donc on va retrouver des petites histoires, voilà, par exemple Boucle d'or et les trois ours. Là on a Blanche-Neige, on a le prince charmant, Pinocchio, on a la Belle et la Bête avec la théière et puis Lumière. Donc voilà, on a des thématiques là cette fois-ci assez spécifiques, et ça c'est sympa quand, encore une fois, exactement comme pour le tarot, quand vous tombez sur un style qui vous plaît et qui vous parle, on se dit hey, ça peut être pas mal effectivement de prendre le temps du coup d'étudier un jeu avec cette présentation. Le Lenormand, la difficulté du Lenormand, c'est encore une fois qu'on n'a pas comme le tarot de Marseille, la multiplicité
de l'objet. Par contre, on a la multiplicité ici des couples que l'on peut faire, des couples ou des trios de cartes, ce qui rend le jeu extrêmement dense. Par contre, une autre difficulté, ce sont les différences de méthode, puisqu'il y a une version allemande, enfin, il y a une méthode allemande, une méthode française, une méthode, les Américains tirent encore d'une autre manière, et que certaines cartes, du coup, vont changer d'une version à l'autre. Par exemple, chez certains, la carte du travail, ça va être l'ours. Pour d'autres, ça sera le renard. Pour d'autres, ça sera l'encre. Donc voilà, c'est après il faut juste accepter de prendre une méthode, une manière de faire et de s'y cantonner, d'y rester et à ce moment-là ça marchera. Donc voilà juste pour la première vidéo de présentation sur comment choisir son objet. Ça dépend, est-ce que vous voulez une structure extrêmement droite et presque rigide comme dans le tarot ou comme dans le Lenormand, ou est-ce que vous voulez une structure ouverte comme dans les oracles? Est-ce que dans la structure que vous voulez, vous préférez une graphie très représentative comme dans le tarot de Marseille classique, ou quelque chose de plus ouvert avec des jeux artistiques comme celui-ci? Est-ce que vous préférez un tarot francophone ou anglo-saxon? Est-ce que vous préférez un jeu figuratif ou alors à thème? Voilà, en gros, ça va être le questionnement qu'il va falloir vous poser. Et après, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous regardez les jeux qui répondent à cette catégorie. Et après, eh ben, il suffit simplement de voir dans tous les exemples qu'on trouve, celui qui vous plaira le plus, qui vous parlera le plus, dont la graphie vous fera vous sentir bien avec. Si vous vous sentez mal, c'est pas la peine, hein. Moi, je sais que par exemple, ce jeu-là que je vous ai présenté tout à l'heure, le Tarot de Thoth, à chaque fois que je le prends dans les mains, j'ai des palpitations cardiaques, je me sens pas bien, donc ça sert à rien, je sais que je ne l'utiliserai pas. Il a beau être beau, les cartes sont sympas, ce sera pas pour moi. Donc voilà, c'était pour la petite présentation, puis le petit coup de pouce, en espérant en tout cas que ça a pu vous parler, puis bah, répondre peut-être à certaines de vos interrogations. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, bah, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.